Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur des combats. Portes, levez vos frontons. Levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce, en ce matin où nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelle joie encore de nous retrouver en ce troisième jour, troisième et dernier jour de notre tridoum de fin d'année 2023. En ce matin encore, de là où tu es, je t'invite à reprendre le psaume 23 avec moi et en présentant les portes de ta vie en ce 31 décembre, en ce matin, que tu présentes les différentes portes de ta vie à notre Seigneur. Les portes de ta maison, les portes de ton foyer, les portes de ta famille, les portes de ta nation, que tu présentes tout cela à Dieu et que tu le lui soumettes, afin que ce soit lui-même qui vienne entrer avec toi en 2024. Ne te dis pas que nous sommes au matin, c'est à cette heure-ci que nous le commençons. Nous commençons déjà à inviter Dieu à rentrer avec nous en 2024. En disant « porte de ma vie », en disant « Seigneur Dieu, rentre avec moi dans les portes de ma vie en 2024 ». En présentant les portes de ses enfants, l'intelligence, la mémoire, l'école, en demandant à ce que Dieu lui-même vienne et rentrer avec vous en 2024, en prenant le total contrôle de ces portes-là. Le total contrôle de ces portes. Voilà pourquoi tu vas reprendre encore le psaume avec moi. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur des combats. Portes, levez vos frontons. Levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Alors Seigneur Dieu, Seigneur roi, rentre avec nous en cette nouvelle année 2024 que tu nous donnes par ta grâce. Rentre avec nous en 2024. Rentre avec nous en 2024 dans nos familles, dans nos foyers, que nous te soumettons entièrement. Sois avec nous. Sois avec nous et marche avec nous. Portez, levez vos lanternes pour que le Dieu de gloire entre, qu'il fasse son entrée avec puissance et autorité.
Sortez, levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire entre, qu'il fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les hommes, Seigneur, rugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Portez-le des volants pour que le Dieu de gloire rende, qu'il fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans rugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Peu importe la ville où tu es, peu importe la localité dans laquelle tu es, mais tu vas vraiment présenter en ce 31 matin, dernier jour de l'année 2023, tu vas véritablement présenter toutes les portes de ta vie à notre Seigneur, en lui demandant de venir faire son entrée avec toi. En cette nouvelle année, qu'il vienne faire son entrée avec toi. Tu vas l'inviter véritablement à prendre possession de la nouvelle année, à prendre le contrôle total de la nouvelle année. Tu vas lui soumettre les jours, les heures, les secondes, les mois, l'atmosphère, l'environnement de toute l'année 2024. Tu vas lui dire, Seigneur, je te donne tout, alors prends et fais ce que tu veux. Prends et fais ce que tu veux. En lui demandant également de venir couronner ton année 2024 de gloire, couronner ton année 2024 de réussite, couronner ton année 2024 de santé, couronner ton année 2024 de paix, couronner ton année 2024 de charité, couronner ton année 2024 de maîtrise. Alors soumets-lui pleinement. Soumets-lui pleinement. Soumets-le-lui pleinement, ta famille, tes enfants, ta communauté, ton église, soumets-le-lui. Dis, Seigneur, je veux que tu prennes le contrôle. Je veux que tu prennes le contrôle parce que c'est toi que je veux proclamer en 2024. C'est toi que je veux annoncer en 2024. Je veux vivre mon année 2024 avec toi. Je veux marcher dans 2024 avec toi. Je veux respirer dans 2024 avec toi. Je veux pouvoir rentrer dans ce que tu as prévu pour moi, mais avec toi. Alors donne-lui tout. Donne-lui tout. Ne minimise rien. Donne-lui tout. Donne-lui tout. Qu'il vienne te couronner en 2024. Qu'il vienne te couronner en 2024. Alors présente-le-lui. Présente-le-lui cette fin d'année. Présente-le-lui cette fin d'année et cette nouvelle année. Présente-lui tous les domaines et compartiments de ta vie. Ne laisse rien. Ne laisse rien. Ne laisse rien. Pour que le Dieu de gloire entre, qu'il fasse son entrée avec puissance et autorité. Oui, Seigneur, je te soumets mon année 2024. Je te soumets les heures de 2024. Je te soumets les secondes de 2024, les minutes de 2024, les semaines, les mois, les jours, je te les soumets entièrement. Je te soumets l'atmosphère et l'environnement des différents lieux où je pourrais me trouver.
Je te donne tout, je les abandonne tout à tes pieds. Parce que Seigneur, je veux vivre mon année 2024 avec toi. Je veux jouir pleinement de cette année-là avec toi. Je veux marcher en 2024 avec toi. Je veux te proclamer partout où je serai. Je veux t'annoncer partout où je serai. Parler de ton amour. Proclamer tes hauts faits en 2024. Je veux être ce témoin-là en 2024 pour toi, Seigneur. Un témoin authentique pour toi en 2024, Seigneur. Je veux rentrer en possession de ce que tu as prévu pour moi et ma maison. Je veux rentrer en possession de ce à quoi je suis destiné en 2024. Alors, Seigneur, prends le contrôle total. Prends le contrôle total de 2024. Prends le contrôle total de ma vie. Prends le contrôle total de la vie des miens, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Prends le contrôle total. Prends le contrôle total. Viens et règne avec moi. Viens régner en 2024. Viens régner dans mon année. Viens régner dans tous les jours de 2024. Viens régner dans les heures et les secondes de 2024. Viens régner au sein de ma famille. Viens régner au sein de ma nation, Seigneur, je t'en supplie. La place du roi, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Établir en 2024. Viens nous positionner dans ton champ. Viens nous positionner dans ce que tu attends de nous. Viens nous positionner. Positionne nos familles. Positionne nos foyers. Positionne nos nations en 2024. Positionne-les. Parce que nous t'avons tout donné, Seigneur. Nous t'avons tout donné. Nous t'avons tout donné. Alors, bien-aimé de Dieu, dans cet élan, continuons encore en ce matin, en ce dernier jour de 2023, à demander véritablement à notre Seigneur qu'il prenne le contrôle, qu'il prenne le contrôle total de l'année 2024 et de tout ce qui aura lieu, tout ce qui va se passer, tout ce qui va se passer, que tu connaisses ou pas, demande tout simplement à Dieu de prendre le contrôle. Et c'est dans cet élan-là que je te souhaite une heureuse et bonne année 2024. Et n'oubliez pas d'aller à la messe, de faire la traversée de 2023 à 2024. Alors, bonne et heureuse année avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne et heureuse nouvelle année avec le Sauveur de nos âmes. Profitez des fêtes, mais faites attention. N'oubliez pas, Dieu est avec nous. Alors, continuez de prier et continuez de vous confier à Lui. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.